Hey, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 18 février. Et écoutez, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur Black Ops 2. C'est un gameplay qui est assez ancien. Voilà, je vais d'abord poser le gameplay. On n'aura pas beaucoup le temps pour discuter de ce que je veux discuter, donc j'ai juste 5 minutes. Alors, je vais me dépêcher. Donc, c'est un gameplay sur la map Slum, sur Black Ops 2, à la N94. Et voilà, c'est une petite mêlée générale. Plutôt belle, voire très belle. Évidemment, c'est pas un perfect, ce sera pas une nucléaire avec un 30-0. Mais ça aurait pu l'être, vous verrez, je vais vous laisser quand même un peu de suspense. Donc écoutez, aujourd'hui, je suis plutôt en forme, voilà. J'ai vraiment trouvé la force pour pouvoir me relever, pour pouvoir sourire à nouveau. Écoutez, cette force, c'est vous, c'est tout simplement YouTube. En YouTube, j'ai trouvé ce qui réussit à me faire sourire, ce qui réussit à me faire vivre, voilà, vraiment donner la pêche, quoi. Et donc aujourd'hui, écoutez, je pense vous faire du coup plus de vidéos pour me changer les idées. Ça me permet vraiment de penser à autre chose, voilà, de me divertir et faire ce que j'aime tout d'abord. Hein, parce que vous le savez, YouTube pour moi c'est vraiment quelque chose de super important. Je m'y investis énormément et les gens qui sont proches de moi le savent. Donc évidemment, à côté de ça, j'ai mes amis. Je sors très 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 souvent avec mes amis voilà, pour me divertir, pour sourire également et voilà, pour m'amuser quoi. Et donc voilà. Alors, les 3 dernières semaines, écoutez, j'ai énormément joué à GTA. Pour ceux qui ne le savent pas, j'adore jouer GTA Online, voilà, avec mon meilleur ami. Et on se prend des barres, mais monumentales. Si vous connaissez pas GTA Online, il est juste énorme, quoi. Enfin, les missions sont super diversifiées. Vous savez vraiment faire plein, plein, plein de trucs. C'est foutre la merde, troller les gens, etc. Enfin, c'est vraiment énorme. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, je conseille vraiment GTA Online ou bien tout simplement GTA, hein, le mode libre est pas mal aussi. Donc voilà, donc j'ai énormément joué à GTA, j'ai également joué à MW3, petit retour aux sources. Donc j'ai également joué à Black Ops 2, j'ai rentré pas mal de trickshots pour les Clip of the Week qui vont sortir donc les semaines suivantes, ici les semaines qui vont arriver. Évidemment, je n'ai pas oublié, ça fait 2 mois que je ne l'ai toujours pas sorti. Le top 10 kills que je vous ai promis tous les mois normalement, ça fait 2 mois que je le propose pas. Je sais que c'est chiant, je sais que j'ai pas tenu ma parole, je pensais vraiment pouvoir le faire tous les mois. Mais je reçois pas assez de clips et puis quand je reçois assez, j'ai pas la motivation de le faire. Donc voilà, ici j'ai vraiment la motivation. J'ai les clips, donc je vais faire le montage, je vais faire le commentary aujourd'hui. Maintenant, je pense que je vais pouvoir l'uploader la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on verra bien. Donc voilà, pour ça c'est tout. Ensuite, je vous avais promis également un montage qui devait arriver normalement le mois dernier, en janvier. Le trailer normalement est sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai eu énormément de problèmes avec les éditeurs. Ça s'est vraiment pas passé comme je le voulais. Et donc du coup bah il est pas fini, il est à moitié fini et il stagne dans mes dossiers et je peux rien faire avec, je peux pas vous le proposer parce qu'il est vraiment à moitié fini. Donc je vais essayer de trouver une solution mais franchement c'est dur quoi, c'est dur de continuer un montage que quelqu'un d'autre a fait. C'est dur de trouver quelqu'un qui peut le faire. Donc voilà. Pour ça, à mon avis, je vais faire un RC. Dans les prochaines vidéos, donc normalement je le plus peu enfin je le poserai la semaine prochaine ou dans 2 semaines, voire cette semaine, j'en sais rien du tout, ça dépendra. Donc voilà, je vais faire un RC donc un RC montage trickshot. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, voilà. Donc également, je joue énormément Advanced Warfare, le jeu de l'année, enfin le jeu de l'année, évidemment le jeu de cette année. Donc je suis Prestige 6. J'ai eu pendant un gros mois énormément de bugs sur ce jeu. Donc en fait j'arrivais pas à lancer le CD. A chaque fois que je le lançais le jeu buguait totalement. J'arrivais pas à le lancer, c'est la PS3 freezait. Et donc pour ça j'ai réussi à trouver une solution par rapport au trophée, tout un bazar. Et voilà, j'ai chopé pas mal d'armes élite. Je commence vraiment à avoir une belle carrure avec tous mon casque et tout, etc. Enfin, ça commence vraiment à bien gérer avec des armes en diamant, etc. Je pense vous faire une vidéo présentation de mon arsenal avec toutes mes armes élites, mes armes recrues et mes armes professionnelles. Je pense que ça peut être une bonne vidéo. Je pense également vous faire une vidéo avec
avec les classes compétitives que je peux utiliser sur Advanced Warfare. Et voilà, je pense pouvoir vous faire pas mal de vidéos dans le genre, et voilà. Mais écoutez, on est arrivé à la fin de ce gameplay, normalement, si je dis pas de bêtises. Je finis sur le score d'un 34, qui n'est pas négligeable du tout. Donc voilà, je voudrais d'abord vous, remercier mes amis, remercier tous les gens qui sont là pour moi, qui sont là depuis le début, et voilà, enfin, je les remercierai jamais assez. Et voilà, on arrive tout doucement des 2000 abonnés, vous le savez. Je compte faire plusieurs vidéos spéciales 2000 abonnés. Je compte vraiment faire pas mal de trucs. Je pense que l'idée de YouTube m'est passée par la tête. Ça, je peux pas vous le mentir, je l'avoue. Mais elle est très vite repartie parce que sans YouTube, je pense pas que ce serait pareil, que ma vie serait pareille. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!